Jérôme Grenier, pour laisser une trace. Il fut d'abord musicien, puis Jérôme Grenier se découvre une autre passion, le travail du bois. Doucement, des tablettes, miroirs et enseignes ont vu le jour. Ornées de sculptures, ces pièces se sont vite répandues dans la région. Ensuite, vers les expositions et les symposiums, engendrant une collaboration étroite avec des peintres de renom pour qui il crée des cadres adaptés qui font partie intégrante de l'œuvre. Il y a eu la grande période du vin où il produit de volumineux celliers dont la signature lui ouvrira les portes de l'Europe et la reconnaissance de ses pairs. Il travaille maintenant à la création d'armoires à fusils et ses œuvres d'art, dont les ferrures sont aussi de facture artisanale, impressionnent, tout comme les celliers, autant par leur carrure que par leur touchante beauté. Dans sa création, le choix de l'essence n'est pas anodin. Après tout, c'est un gars de bois franc. Jérôme Grenier travaille avec le noyer cendré, et cela est très symbolique pour lui. Il veut également léguer un héritage à ses fils. Il s'explique. Bien, premièrement, le noyer cendré d'Amérique, qui est un bois en voie de disparition. C'est pour ça que je l'ai adopté. C'est pour lui donner une deuxième vie. Fait qu'il y a des maladies, ses semences ne se reproduisent plus, donc il est malade. Pour donner une deuxième vie à ce bois-là, qui va donner une deuxième vie à mes œuvres, qui vont traverser les décennies, qui vont traverser les siècles. Et dans 600 ans, dans 800 ans, dans 1000 ans, bien, d'avoir laissé mes traces pour les petits, petits, petits enfants que j'aurai. Dans un texte intitulé « À bois fragile, sculpteur sensible », son ami, le poète Richard Gamache, parle de lui en ces termes. Son atelier est un champ d'idées à perte de vue, et quand il touche le bois, c'est tout l'arbre qui lui parle. Alors le dialogue s'amorce et jaillit en copeaux et branties. La gouge force l'homme et le bois à se connaître. Ils dansent, ils se creusent, ils caressent, ils se moulent, et l'un et l'autre deviennent et l'un et l'autre.